vous arrêtez maintenant. Maintenant. Neymar, Cavani, Mbappé, on s'en fout. L'heure est grave, les amis. L'heure est vraiment grave, les gars. Super Mario Balotelli a signé, les gars. Voilà pourquoi, Papa Eli, j'ai sorti mon armure. L'armure de la victoire. L'armure qui nous a amené en finale de l'Europa League. Eh oui, l'AMU de la reconquête, l'AMU du combat. On va maintenant bousiller tout le monde, les gars. Oui, les gars, l'heure est grave. Parce que un jeune homme de 28 ans, Mario Balotelli, a fini par signer. La direction de l'Olympique de Marseille a compris qu'il fallait un vaillant soldat, un fada de fada, un mec que beaucoup ne comprennent pas, mais moi je l'ai capté depuis. Oui, un enfant qui est né, qui a vécu toutes les misères, qui a été repris par une famille et qui a commencé à frapper dans le ballon. Et il a joué dans les plus grands clubs, mais il a été incompris. Mais aujourd'hui, il est arrivé sur les bords de la Méditerranée, dans ce projet. Ce projet de l'Olympique de Marseille, le champion de projet. Il nous fallait un bonhomme. Il nous fallait un vaillant, un soldat comme moi. Balotelli est là dans la cité phocéenne, les gars. Et ça va plus rigoler, les gars. On va commencer à tout bousiller. Et moi, Papa Eli, je suis content. Parce que ce bonhomme, 1m89. Oui, tout le monde dit qu'il il a des caractères, mais c'est normal. Et moi, je sais qu'il lui fallait une ville comme Marseille. Il lui fallait des soldats comme Marseille. Et c'est pour ça que moi, Papa Eli, en même temps, j'ai lancé un appel. J'ai lancé un appel à ce que tous les groupes de supporters, tout le monde, ensemble, on puisse s'unir pour faire tout péter, les gars. Parce qu'on va reconquérir. J'ai dit Balotelli, c'est 2 étoiles, les gars. C'est 2 étoiles, les gars. Dans l'histoire de l'OM, il y a eu toujours des gens qui avaient des origines du Ghana. Abedi Pelé, les frères Ayew, et aujourd'hui Balotelli, origine ghanéenne, c'est un signe les gars, c'est un signe de la victoire, c'est un signe de la 2e étoile, on tient notre attaquant les gars, on tient notre star, c'était pas incroyable de voir une grande équipe comme l'Olympique de Marseille sans star, mais notre star est là maintenant, c'est pour ça Papa Eli, je fais un appel à tous les supporters, vous savez, cette année, je suis arrivé pour essayer de faire bouger le virage nord, le bas du virage nord. Mais il y a eu beaucoup de problèmes, beaucoup d'incompréhensions. Mais je fais un appel solennel à tous les winners, à tous les ultras, à tous les Dodgers, à tous les MTP, à tous les fanatiques, même au COM, même aux Yankees, à toute la famille, tous les capos, tous les supporters, les fanatiques, tous ceux qui aiment l'Olympique de Marseille, les gars. Il faut qu'on se remobilise tous ensemble et qu'on puisse refaire redémarrer le bas du virage nord. Et pour cela, j'ai décidé de monter une armée. Et cette armée, elle s'appelle les 313 Olympiens. Oh. 313 Olympiens, les gars. Oh. 313 Olympiens, les gars. Oh. 313 Olympiens, les gars. Oh. Et pour fêter l'arrivée des Balotelli, moi, Papa Eli, j'avais pris la résolution d'arrêter de boire. Mais là, je vais péter une bouteille de champagne. Et je vais boire un coup quand même. Et après, j'arrête de boire encore. Voilà, je remercie la direction, même s'ils ne nous ont pas compris, mais je crois qu'ils essaient de comprendre maintenant que nous sommes à Marseille, dans une ville de fada, dans une ville de mecs qui aiment le ballon. Et maintenant, on va aller chercher cette 2e étoile. Balotelli, il a 28 ans, il peut jouer encore pendant 5 années à l'Olympique de Marseille. On va construire cette équipe maintenant. Donc les gars, on va aller devant la boutique et vous voyez l'adresse, 46 boulevard Michelet. C'est ici maintenant l'adresse des 300 soldats, 313 soldats qui vont réveiller le virage nord. Les gars, venez de partout. Venez les gars, venez vous inscrire. Même si on n'est pas officiellement reconnu par l'OM, on va prendre nos places.
individuellement et on va rentrer dans ce stade pour faire bouger les choses. Voilà, Papa Eli, les gars, je suis venu, je suis toujours là et je resterai toujours là. Soldat, donne-moi la bouteille de champagne. Elle est où? Et que je parte. Merci, les gars. On va aller dehors et on va introniser Balotelli. On va verser le champagne en son nom et on verra. Il va planter les buts. Paris Saint-Germain, vous êtes foutus. Voilà le tapis, le paillasson. Vous êtes foutus, Paris Saint-Germain. Balotelli, le prochain match, on va vous battre au Parc des Princes. Les Lyonnais, oh là, le Lyon, il va mourir maintenant. Il va vraiment mourir, le Lyon. Eh oui, toutes les équipes. Et Lille sera la première victime. Vendredi, on va exterminer les Lillois. Voilà, les gars. Donc, je vais péter la bouteille de champagne, les gars. Tiens ça, soldat. Soldat, mettez-vous derrière. Parce que là, soldat, file bien ça. Tu vois ça? C'est le panthéon de tous ceux qui ont marqué l'histoire de l'Olympique de Marseille. Dimeco, Papin, Guadol, Didier Deschamps, Basile Boli et le grand entraîneur Marcelo Bielsa. Et il y a aussi Fabien Martins. Et il y a aussi Abedi Pelé. Et il y a le grand Scobla. Mais là, je vous dis maintenant, les gars, il n'aura pas le télé. On va mettre Balotelli ici en bas comme ça. Eh oui, Balotelli, tu es bienvenu ici. Ici, c'est chez toi. Maintenant, filme. C'est là que je vais tout péter. Je vais péter et ça va mousser. Et on va boire ton honneur. Bienvenue. Bienvenue, Balotelli, à Marseille. Bienvenue, frérot. Oh là là. Voilà. Allez, pousse, dis donne. Pousse, parce que ça va pousser. Eh oui, Zidane. Eh oui. Eh oui, Balotelli. C'est pour toi. Maintenant, j'enlève mon casque. Je vais boire en ton honneur, mon frère. Voilà. Et on retourne, mon frère. 313 Olympiens. 313 Olympiens. 313 Olympiens. Bienvenue, Balotelli. Allez l'OM, les gars.